Alors bonjour, troisième vidéo sur l'outil pourtour. Donc là on va procéder à faire des trous, donc trois trous, hein. Un trou central et un trou de chaque côté, qui va permettre de mettre des vis en M8 qui vont se loger, dépasser dans des trous oblongs, hein, donc pour pouvoir faire coulisser la pièce. Voilà. Donc là, je ne vais pas montrer comment on fait les trous, hein, je vais le faire, et puis ça évitera de faire des vidéos qui durent trop longtemps. Alors par contre, petite particularité, quand on fait du marquage comme ça, moi je mets du brunissage à froid, ce qui fait que ça évite que le bleu ou le feutre s'en aille quand on met de l'huile, hein, ce qui fait qu'on ne voit plus le traçage. Si vous faites un traçage, par exemple, central avec des points de centrage, bah là, vous pouvez voir, ça va rester. Hein, ça s'en va pas, vous pouvez mettre de l'huile, ça s'en va pas, ça reste. Et si vous voulez l'enlever après, ben, il suffit de poncer avec du papier fin, ça s'en va. Donc c'est ça comme produit. Voilà. J'ai déjà montré dans une de mes vidéos, hein, c'est du brunissage à froid, hein, hématite, on en trouve sur internet, un peu voilà, des sites particuliers qui font ça. Hein. Alors il y a ça, il y a aussi donc le repérage du centre de la pièce, hein, parce qu'ici on a une certaine largeur. Si on veut vraiment pile au centre, sans visu, pour être parfait, il faut utiliser, le mieux c'est une pinule, j'ai bien sans visu, hein. Ou alors on peut utiliser une tige d'un diamètre bien précis, et puis le poser contre la pièce, hein, puis tâter, et puis retirer la moitié du... Enfin, voilà, on prend la moitié de la pinule, par exemple, qui fait 10, hein, ça fait 5, et on rajoute 5. Ensuite, il faut soit utiliser le vernier de la fraiseuse, ce qui permet donc, bah là, faut compter les tours. Des fois, on est un peu perdu parce qu'avec les rattrapages de jeu, on ne sait plus dans quel sens il faut tourner. Si on oublie de rattraper le jeu, eh ben, on peut se planter de quelques dixièmes. Donc, quelques dixièmes sur un centre, c'est embêtant parce que ça se voit tout de suite. Alors, ce qu'on peut faire, c'est on met un pied magnétique avec un comparateur sur la table, hein, comme ceci. Donc on le pose, hein. Et puis bon, celui-là c'est des grandes courses, hein, donc on peut mettre quand même, vous prévoyez quand même une marge suffisamment longue ici, hein, ce qui fait que comme ça, ben, vous voyez, ben, vous mesurez, vous regardez votre comparateur, hein. Alors j'ai ce comparateur-là, mais j'ai aussi un comparateur digital, hein, comme ceci. Voilà. C'est un truc qui coûte pas cher, mais bon, ça est précis. Hein. Voilà. Après, il y en a qui aiment pas, il y en a qui aiment bien. Moi, j'ai déjà testé, ça marche aussi. Hein. L'avantage, c'est qu'on peut remettre à zéro et repartir, voilà, sur un chiffre de zéro à un chiffre bien défini, hein, puisqu'il y a une remise à zéro comme les pieds à coulisses. Ça coûte une trentaine d'euros. Alors. Une autre spécificité aussi, quand on utilise un pied magnétique comme ça, moi quand j'ai mis la fraiseuse, elle n'est pas sur un établi en bois, elle est sur un établi en acier. J'ai mis une tôle quand même sur une grosse plaque de bois, un plan de travail. J'ai mis une plaque d'acier, comme ça je peux fixer le pied magnétique dessus. Alors c'est bien pratique, on peut le mettre dans un sens ou dans l'autre, comme ça ou comme ça. Pour vraiment être précis, hein, quand on veut de la précision, hein. Quand on bouge très peu au niveau du vernis, c'est suffisant, hein. Mais quand je vous dis, il faut faire attention au rattrapage de jeu, toujours revenir en arrière pour repartir, hein. Sinon, ben, vous allez être faux, hein. Ça ne va pas être juste. Alors, petite particularité aussi sur les pieds magnétiques. Alors, quand vous utilisez un pied magnétique pour ce genre d'opération, utilisez un pied magnétique tout simple. Ça veut dire deux barres, un aimant, c'est tout. Voilà, c'est très rigide, ça bouge pas. Et là, vous êtes sûr que votre mesure est précise. Si vous utilisez avec un bras, si le bras est un peu détendu, plus ou moins allongé, ben ça va être élastique, ça ne sera pas précis. Donc ça va dans certaines situations, mais pas d'autres. Celui-ci est bien adapté pour ce genre d'utilisation, justement, parce qu'on est sûr que ça ne bouge pas. Voilà. Donc je le précise bien, ça ne sert à rien de mettre des sommes faramineuses dans des pieds magnétiques, mais il faut quand même que l'aimant soit suffisamment costaud. Hein. Hein, pas un aimant à 30 kg, hein. Là c'est du 60-80 kg. Hein. Comme ça il ne bouge pas, il ne glisse pas, rien du tout. Hein. Bien nettoyer la table avant de le poser pour être sûr qu'il soit bien collé et qu'il ne bouge pas.
Donc, une autre particularité aussi, quand j'ai fait un traçage et puis que je veux être bien au niveau du traçage, au lieu de mettre le forêt directement en face le tracé, moi j'utilise une pointe comme ça, bien affilée, hein, bien pointue, qui me permet de mettre bien à l'endroit où j'ai tracé. Je serai pas un peu là-bas ou un peu là-bas, je serai pile au poil au centre du trait. Alors, sachant que la précision pour ce genre d'opération-là, elle est surtout de ce bord-là au centre, et pas trop de là à là. Hein. De là à là, on s'en fout un peu. Ça veut dire que là, je suis au centre, je vais percer un trou. Si je suis à 1 mm d'un côté ou 1 mm de l'autre, c'est pas grave. Par contre, si j'étais à 1 mm en avant ou 1 mm en arrière, ce serait un peu plus embêtant. Voilà. Alors, sur une barre, je vais percer 3 trous. Un pour mettre mon cône CM2. Deux vis de M8. De l'autre côté, il va y avoir 2 trous oblongs pour pouvoir avoir le phénomène de coulissement. Et le troisième trou, ça sera pour m'en mettre ma pointe. Mais ça, je ne le ferai pas sur la fraiseuse, je vais le faire sur le tour. Quand le cône sera installé, les deux parties métalliques seront assemblées, vissées. Je perce avec le mandrin du tour le centre. Comme ça, je suis sûr d'être pile poil au centre et au même niveau. Hein? Parce que si je le fais sur la fraiseuse, imaginez que j'ai plus ou moins un petit décalage, ben je serai pas au centre. Et puis là, c'est là que c'est important, il faut que les pointes soient bien au centre sur le tour. Donc le troisième trou, je le ferai sur le tour à la fin. Voilà, donc pour les particularités, et puis donc moi je vais continuer de faire mes trous, hein, et puis après je vous reprends pour la suite. À plus. Donc voilà, percer le trou. Donc 6 8 pour du 8. Ensuite, on va procéder au taraudage avant de bouger quoi que ce soit à la table. On va tarauder directement. Comme ça sera fait et on est droit. On est sûr, hein, on va pas le faire sur les tablés, on fait sur la fraiseuse. Non, par contre, je vais utiliser ça. J'ai déjà montré dans mes vidéos. Hein, donc c'est une pointe à ressort qui me permet de maintenir la pression et d'être droit au moment du taraudage. Alors sachant que mes tarauds sont à petits trous, voilà, sur ceux-là, voilà. Donc j'utilise le côté où il y a la pointe.
hein, parce que de l'autre côté, comme j'ai déjà montré, on a le côté avec pour les tarots à pointe. Voilà, il est réversible. Ça, c'est fabrication maison, hein, c'est pour ceux qui n'ont pas vu. Voilà, donc ça, c'est un outil à sphère aussi qui est pas mal. Donc, on va procéder donc au taraudage. Or, j'ai un tarot ébauche, hein, et un tarot de finition. Il y en a deux pour celui-là. Hein. Voilà. On met la pointe dedans. Voilà. On appuie, on serre. On lubrifie. On taraude. Alors là, je ne vais pas aller tout à fait jusqu'au bout parce que sinon je vais attaquer mes cales parce que les cales sont un peu épaisses. Donc je finirai à l'établi pour être sûr que je vais jusqu'au bout. Après, une fois que c'est droit, c'est le principal. Voilà, on lubrifie toujours, hein, pas oublier. C'est important quand on taraude, puis toujours de revenir en arrière un petit coup de temps en temps pour casser le copeau et non pas casser le tarot. Ça arrive surtout quand on a des tarots qui sont assez fins. Hein, quand on met pas la qualité, bon, c'est pas des mauvais que j'ai, hein, mais bon, y a mieux. Hein. C'est dur. Voilà. Deuxième. Alors, les tarots, on les nettoie toujours un petit coup avant, hein, quand on s'en est servi, parce que être sûr que il n'y a déjà pas des copeaux pleins dedans. Voilà, je vais mordre. On est reparti. Alors, un petit coup de produit, un petit coup d'huile. Alors, au démarrage, ça va bien forcément. Voilà, donc voilà pour le taraudage. Donc on finira jusqu'au bout sur l'établi. Hein. Dans les taux, ça sera plus facile. Hein, parce que là, forcément, les cales sont un peu épaisses. Hein. Là, c'est des cales de 4 mm. Il faudrait qu'elles fassent 3 mm, quoi. Parce que sinon, on passe pas. Voilà, oui, pas de noir sur les mains, rien du tout, c'est nickel. Donc là, j'ai encore un trou à faire ici. Et puis, après, on va attaquer donc une petite gorge. Et l'autre côté, donc, pour que ça coulisse. Pour que ça s'emboîte bien les deux avant d'attaquer l'autre morceau. Voilà, moi, je vais vous reprendre pour la suite. Hein. Voilà pour le taraudage. Donc on a terminé les trois trous sur le morceau de métal là. Hein, voilà. Taraudé tout. Et là, on attaque les deux trous oblongs sur l'autre morceau de métal pour faire la coulisse.
Donc, je vais doucement, puis après, je vous reprends après, hein. Voilà, le trou est fait. Alors, là j'ai mis un support en bout. Alors j'aurais pu faire directement sur l'étau, mais il y a un petit souci, c'est que moi, comme je vous dis, les cales sont un petit peu épaisses. Donc j'ai fait dépasser légèrement. Je ferai pareil pour la même chose de l'autre côté. Donc j'ai mis le petit support pour éviter les vibrations. Et puis on peut appuyer quand même dessus. On règle la butée qui se trouve ici, là, pour avoir l'écartement. Au début, j'ai voulu y aller directement avec la fraise, mais bon, le mieux c'est de faire un trou de chaque côté. Pourquoi? Parce que en faisant un trou de chaque côté, on évacue les copeaux par chaque trou. Donc déjà, on remplit pas la cavité de copeaux. Hein. Deuxièmement, ça va beaucoup plus vite. Hein. On descend beaucoup plus rapidement. On n'est pas obligé d'avoir une fraise qui coupe en bout, parce que certaines fraises coupent pas dans le bout. Donc, si on n'a pas ce genre de fraise là, eh ben, on est coincé. Donc il vaut mieux percer de chaque côté, surtout sur des grandes profondeurs comme ça. Là, il y a quand même 2 cm, hein, donc à fraiser. Donc voilà, donc je vais faire l'autre côté, et puis ben, je vous reprends pour la suite. Bon, ben, les trous sont faits, donc voilà les 2 trous faits. Hein. Alors ce sera peut-être pas les vis que je vais mettre, je vais peut-être mettre du BTR à la place, hein, pour l'instant c'est pour essayer. Voilà. Alors c'est quand même pas une mince affaire, hein, c'est profond à faire quand même. Hein. Comme je vous ai expliqué, c'est mieux de faire un trou de chaque bout et ensuite de fraiser. Alors par contre, si on veut vraiment fraiser à 8, que ça finisse à 8, il faudrait mettre une fraise plus petite, je pense. Et puis finir à 8. Mais bon, moi j'ai percé un peu plus petit, j'ai percé à 8 et après j'ai fraisé à 8. Ce qui fait que j'ai 8,2. Donc là, c'est des goujons que j'utilise pour ma fraiseuse, hein, pour comme dirait l'autre, les attaches, les bridages. Ah, il faut 8 piles. Ce qu'il faut, c'est que il n'y a pas de jeu comme ça. Oui, on voit, il y a un peu de jeu comme ça. Voilà. Donc, je vais faire des goujons un tout petit peu plus gros, qui fassent exactement la dimension des trous. Comme ça, il n'y aura pas de jeu. Voilà. Comme ça, ça va coulisser. Ça. Donc là, il va y avoir le cône morse. Ici, fixé. Et de l'autre côté, la pointe. Ah, comme je vous l'ai expliqué, une fois que le cône morse sera fait, fixé là, je le mets dans la poupée mobile et avec le mandrin du tour, je vais percer en étant bien aligné partout, que tout soit bien aligné parfaitement, que la pointe soit bien au centre et je ferai un repère au milieu. Ce qui fait que je ne serai pas non plus légèrement plus bas ou légèrement plus haut, parce que c'est possible. Hein. Après, avec le montage, il suffit que le trou soit un petit poil décalé, bon, léger, un tout petit poil là, un petit poil là, puis on finit par être 2 ou 3 dixièmes en dessous ou au-dessus. Moi, ce que je veux, c'est que ça soit parfaitement aligné.
Au cas si je vois que ça va pas au niveau des centrages ici, donc je vais faire une glissière tout simplement. Donc une gorge tout le long, et de l'autre côté, et ben on pourra appeler ça un débordement hein, de 2 ou 3 mm, on va dire, qui va rentrer dedans. Ce qui fait que ça permettra de vraiment être aligné parfaitement. Il n'y a plus de problème de jeu, quoi que ce soit. Mais de toute façon, il faut que je fasse des vis. Je vais les faire en laiton là. Hein, et puis, ou je vais voir avec des vis BTR si j'ai des vis BTR encore. Si ça va mieux. Mais bon, j'ai un tout petit poil de jeu. Il n'y a pas grand-chose. Hein. Ah, je voudrais pas qu'il y en ait, hein, justement. Alors, il n'y a pas que ça. Hein. Il faut que je fasse un trou ici et un trou de l'autre côté taraudé avec une vis de réglage chaque côté. Je serre d'un côté, je desserre de l'autre. Je serre d'un côté, je desserre comme la poupée mobile. Hein. C'est-à-dire qu'on va déplacer tout doucement d'un côté ou de l'autre pour avoir le bon réglage. Et comme ça, on va pouvoir, il faut pouvoir poser le comparateur. Alors, je ne sais pas si j'aurai la place pour mettre le comparateur. Si j'ai pas la place pour mettre le comparateur en bout ici, à cause de la vis, je mettrai sûrement une petite patte pour pouvoir mettre le comparateur. Comme ça, on pourra régler exactement la longueur voulue pour le cône. Hein. Parce que s'il faut par exemple, normalement un cône ça doit être sur 7 cm, ça doit être 3 mm et quelques. Hein. Donc au comparateur on met 3 mm 23 par exemple hein, ou 25, on bloque et puis comme ça on a exactement la bonne cote sur 7 cm. Voilà. Donc à suivre. Hein. Vraiment, il n'y a vraiment pas beaucoup de jeu. Hein. Ah, je vais peut-être faire une rainure quand même. On verra bien. À voir. Donc voilà ça. Voilà pour la suite. On verra le reste après. Donc là, si vous amusez à faire des trous oblongs sur une profondeur comme ça, vous voyez que ça se fait pas en 5 minutes. Hein. Alors j'ai pas fait une vidéo trop longue. Hein. Mais bon. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Là, on est bien aligné. Ok, eh bien on va bien voir ça. Allez, à la prochaine, à plus.